Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode 2 Fallout 4 Far Harbor, chers amis. Donc, nous avons quelques gens à tuer, semble-t-il. Est-ce qu'il y en a un là-haut? Apparemment non, mais de toute façon je vois les meubles à travers des choses. Ce qui en soi, mais voilà. Il y a des gens qui m'ont vu, qui me regardent. Il y a des gens qui me voient, dont des légendaires. Mais je ne les vois plus. Et ça m'embête, je l'admets. Oh là. Pourquoi attention? J'ai dit que je voulais les faire au snipe, mais je comprends pas pourquoi j'ai pas le droit en fait. J'ai clairement pas le droit de me le faire. Hop, venez voir son corps. Oh. Ils m'ont repéré, quoi. Ok. Tiens, dégage. Vous voulez jouer à ça, vous allez perdre. Un légendaire, je risque pas de le réussir à le... What? Salut. À mort. Vas-y, va buter tes copains. T'es pas légendaire pour rien. Viens mourir, s'il te plaît. Les autres, où sont tes copains? Bonjour. Wow! M'avait foutu les boules de ma... Oula. M'avait éjecté dans le mur, par contre. Tiens, dégage. Tiens, bouffe, bouffe. Hop, c'est moi qui vais te jouer un tour. Tiens, dégage. Où es-tu? Toi qui me tires dessus, où es-tu? Hop. J'ai un super gun pour toi. J'espère qu'il te plaira. Disparaît comme ça. Franchement, c'est pas digne de toi. Hein.
On n'y voit rien avec ce gun par contre. On n'y voit strictement rien. J'espère bien qu'il finira par me trouver. T'essaies de te cacher ? Tant mieux. C'est plus drôle comme ça. Putain, ils m'ont fait vachement mal en fait. Wow. Je vais récupérer des harpons avec lui. Salut l'ami. Ok, on se fait tirer dessus par une tourelle encore. Je ne la vois pas. Il va juste en dessous en fait. Hop, Canigou, ça va? On va dire que oui. Fusil harpon classique, quelques harpons. Le légendaire, il avait quoi sur lui? A mon avis, il est tombé en dessous. Voilà. C'est ce que je disais. Il avait rien d'intéressant. Il y en a encore un qui nous tire dessus. Vas-y, montre-toi, il n'y a pas de problème. J'ai dit que j'allais t'avoir avec. Ok. Ça va être la foire onoscope. Enfin, onoscope, vous le dites comme vous voulez. C'est parti. Oui, bah moi aussi je te sens, l'ami. Et je peux te dire que, à mon avis, j'ai pris une douche plus récemment que toi. L'eau de mer, c'est pas ce qu'il faut. Hein. Ça gratte après. Qu'est-ce que. Putain, j'y ai cru. Bien joué. Qu'est-ce que je devrais dire de toi? Oh, t'as du bol. Voilà. Moi aussi, je sais le faire, l'onoscope. Onoscope, vous le dites comme vous voulez. Holobande mystérieuse. Est-ce que je peux la jouer directement? Non. Ok. On va d'abord fouiller l'endroit. Il y a des munitions, là. Plaque d'identification, munitions, lunettes. Munitions, parfait, d'accord. Message de Douglas, lire. J'ai surpris un des gars en train de se servir dans le butin qu'on a fauché. Je lui ai trouvé la peau pour donner l'exemple. Juste dans la jambe, j'ai tout rangé dans une malle que j'ai balancé dans un des filets de pêche. J'ai gardé la clé sur moi, au cas où les autres seraient tentés. Et j'ai pas vu de clé sur lui. Y a pas de clé sur lui. Intrigant tout ça. Il a balancé quelque chose dans un filet de pêche donc. Clé de Douglas, d'accord, il l'a perdu dans la douche. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Filet de pêche. On a une holobande à écouter par contre aussi. Divers holobandes mystérieuses. Allez! Là voilà. Hop. Bon. Ben ça y est. Je suis complètement foutu. Putain de brouillard. Un phare. C'est pourtant pas facile à rater d'habitude. Mais avec une purée de bois pareille. J'ai jamais vu ça. Il s'est craché dans le. Comment j'ai pu me laisser entraîner dans cette histoire? À tous les coups, cette femme était complètement folle. Je serais prêt à parier qu'elle a tout inventé. Juste pour attirer l'attention. Hein? Oh! C'était gagné d'avance comme boulot. Tu parles. J'aurais jamais dû mettre les pieds sur cette île maudite. Merde. J'entends du bruit. D'accord. Donc en fait, c'est elle qu'on voit tous les trucs à la mort. Pourquoi pas?
Elle aime pas les nouveaux. Littéralement. Ça doit être ça. Ça doit être ça. C'était clairement ça, à mon avis. Ok. Bon. C'est con que je l'ai découvert. Elle m'a quand même donné une terre. C'est dommage, elle me plaisait bien, la mamie, malgré tout. Hein. Elle avait sa petite personnalité à elle. C'était sympa. Mais bon. Mais bon. On va devoir lui faire une petite visite, malheureusement. On va devoir lui rendre une petite visite. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Elle avait sa petite histoire, sa petite suite de quêtes sympathique. J'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup ce principe-là. Les personnages uniques, c'est toujours sympa. Ouais. Je suis moyennement heureux, là, à vrai dire. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Ah, ça va lui faire bizarre de me revoir. Comment ça va se finir, cette histoire? Yo! Les trappeurs sont peut-être humains, mais ça fait bien longtemps que l'île les a rendus fous. Ce ne sont plus que des carcasses sans âme qui dérivent dans le brouillard. Certes. Le trappeur qui a tué votre mari est mort. Dans ce cas, c'est terminé. On en a enfin terminé. Toutes ces vies perdues, toutes ces dettes, enfin payées. Je ne crois pas. Ce n'est pas un enfant de Far-Arbor qui a affronté l'île pour venger la lignée des Dalton. C'est vous, quelqu'un d'étranger, du continent. Le dernier chapitre vient d'être écrit. L'histoire touche à sa fin. Elle va se tirer une balle. Je ne pensais jamais vivre ce jour. Je vous remercie. Vous expliquez l'holobande ? J'ai trouvé une holobande du dernier type que vous avez envoyé au phare. Il dit que votre histoire n'est qu'un mensonge. C'est vrai ? Un mensonge ? Non, c'est la vérité. Enfin, disons qu'elle contient une part de vérité. Il se peut aussi que j'ai légèrement exagéré les choses. Mais certaines choses sont plus importantes que la vérité. Regardez-vous, par exemple. Vous avez vu les dangers de l'île, et vous y avez survécu. Vous avez appris une leçon importante. Et puis, l'île aussi a appris quelque chose. Que vous n'êtes pas de ces continentaux naïfs qui ne voient rien dans le brouillard. L'île vous respectera maintenant. Et peu de gens qui débarquent ici peuvent s'en vanter. C'est l'heure de la récompense. L'histoire de votre famille m'intéresse moins que la récompense offerte. Je vois. En même temps, on ne peut pas attendre des continentaux qu'ils saisissent ce qui nous importe vraiment ici. Bref, une histoire digne de ce nom doit avoir une fin heureuse. Pas vrai? Le héros trouve le trésor. Ça, je suis d'accord. Charme la fille. Ça, je veux pas. Elle, non plus. Chevauchant vers le soleil couché. Tout dépend quelle fille. Bon. Je suis un peu vieille pour monter à cheval. Oui! Mais j'ai bien quelque chose qui ressemble à un trésor. Ah? C'est une antiquité que ma famille possède depuis... Oh, attendez... Oh, au moins une ou deux générations. Oh, c'est rien, alors. Il ne reste aucun Dalton pour en hériter. Alors, autant qu'elle vous revienne. L'île connaît bien cette arme. Ça, oui. Ça m'intéresse. Elle vous prendra au sérieux si vous vous baladez avec. Et voilà, c'est la fin. Je peux maintenant dormir sur mes deux oreilles, sachant que toutes mes affaires seront réglées quand on m'emmènera dans la tombe. Vous pouvez partir. Mon histoire est terminée. Mais la vôtre... La vôtre commence juste à devenir intéressante. Oh, je me suis endormi. Oh, la gueule! Non! Non! Pas une arme de corps à corps! Oh, merde. Alors, elle m'a filé une pauvre arme de corps à corps, c'est génial. C'est la fête. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a vraiment besoin de mettre des points dans corps à corps, du coup. D'accord.
J'aimerais bien qu'il y ait un truc pour augmenter un petit peu les comment les. Les potentiels. Les potentiaux. Enfin, ouais, le, comment les taux de coups critiques bizarres à la con, vous savez, là, avec les animations. Ce serait sympa. Bon, bah, on va augmenter ça. Hop. Qui normalement devrait avoir rendu beaucoup plus de dégâts au niveau de. De notre Don't Fear the Reaper qui fait maintenant 19 dégâts par seconde. C'est génial. Avec de plus en plus de dégâts au fur et à mesure. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il me semble qu'on devait raider la marinière à nouveau. Voilà, c'est bien ça. Allons la voir. Vous êtes un sacré spécimen, vous. Nos sympathiques habitants font tout leur possible pour vous chasser d'ici, mais vous vous entêtez à aider cette bande d'ingrats. Je me demande vraiment ce qui vous pousse à continuer. Vous êtes des gens bien. Vous êtes des gens bien, et vous traversez une mauvaise passe. Je voulais vous donner un coup de main. Hein? Vous vous présentez aux élections? Si c'est ça, vous êtes trop bien pour nous. Les gens d'ici, ils ont leurs habitudes, vous comprenez? Vous aurez beau faire des efforts, ça sera pas facile de les changer. Sans rire. Il nous a fallu 3 générations avant de réussir à convaincre les Dalton de nous vendre un quignon de pain. Mais il paraît qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors il y a toujours moyen d'y arriver. Même si c'est la croix et la bannière. J'aime bien. Faisons changer leur opinion. J'aimerais vraiment changer leur opinion sur moi. Si vous que sur lui, il est comme il faut. Les Iliens finiront peut-être par voir les gens du continent autrement. À l'époque, on choisissait les chefs avec une épreuve qu'on appelait la danse du capitaine. D'accord. Il paraît que les plus forts, les plus méchants et les plus dingues parmi les habitants devaient jeter des appâts dans l'eau pour attirer les pires monstruosités. Ah, ça, ça m'intéresse. L'aspirant capitaine avait tué la reine des fangeux, le rôdeur des brumes ou je sais pas quoi encore. Il invitait toute l'île pour dévorer sa carcasse dans un grand festin. Ça, par contre, c'est bizarre. Je dis pas qu'on vous nommera capitaine non plus, mais si vous faites ça, tout le monde vous respectera. Ça, ça me plaît. Je vais devenir une légende. Bah, je vais devenir une légende, tout eh à bien fait. Allons-y. Je vais devenir une légende. Une quoi? Vous me faites marrer, vous. Il y a un coin à Fangeux bien connu, pas loin de la jetée des Mettes. La côte est dangereuse par là. D'accord. Allez-y et balancez de la viande dans l'eau, peu importe laquelle. Le sang et les viscères devraient attirer du beau monde. Vous aurez plus qu'à attendre. Moi, je vais m'arranger pour qu'il y ait un témoin ou deux, que tout le monde sache ce que vous valez vraiment. D'accord, intéressant, il me plaît lui. Rite de passage, jeter de la viande dans l'eau, d'accord. On va d'abord aller voir la marinière. J'espère que ça n'a pas... Ah merde, ça a mis fin à la quête. Ah non. Non, je voulais aider l'autre. Vivre à la frontière, merde. Les outils que vous avez trouvés sont vraiment exceptionnels. T'es où? T'es là. Ça m'a donné une idée. Mm-hmm. Il y a un cargo qui a coulé au sud d'ici il y a longtemps. Avec une bonne soudure à l'arc et de l'huile de coude, il y a moyen de renforcer la coque, d'en faire un rempart solide. Par contre, il vaudrait mieux s'y mettre au plus vite, avant que... Enfin, au plus vite, quoi. Pourquoi si tôt? Pourquoi faut-il faire vite? Je... Ça ne vous regarde pas. Il faut juste réparer la coque. D'accord, ça va être du gâteau. Je vous ai aidé, attendez. Bon sang, je fais partie des rares gens qui donnent un coup de main. À quoi ça sert de me mettre la pression? Bien, bien. Teddy, je suis malade. Stade terminal. Incurable. C'est pas évident d'en parler. Quand je quitterai ce monde, il n'y aura plus personne pour maintenir la coque en état. Donc, je ferai mieux de la réparer maintenant. Incurable? Il n'y a vraiment aucun traitement? Même dans le bon vieux temps, des tonnes de maladies restaient incurables. Et ça... Eh bien... Teddy a écrit à plusieurs docteurs sur le continent. Il leur a envoyé mes résultats et tout. Tout ce qu'il a obtenu, c'est des lettres de regret. Rester sans voix? Je ne sais pas quoi dire. Il n'y a rien à dire. Par contre, on a des choses à faire. Le bateau en question s'appelle le MS Azalée. Attendez-vous à croiser des trappeurs... Et pas détendre. Oui, dès madame. Que vous aurez fait le ménage, j'enverrai mes gars. Bonne chance. Merci, merci. Bon,
C'est pas très joyeux. Honnêtement, c'est pas très joyeux. Excuse-moi, je peux le passer, s'il te plaît ? Merci. Des armes, c'est pas joyeux du tout. Nourriture, steampack, j'ai... Allez voir Alain. J'ai pas le temps de discuter. T'as trouvé une femme ? Vous avez besoin d'un peu de puissance ? C'est ta sœur. Les enfants d'Atome essaient de nous tuer. Ils veulent nous noyer. Mais encore ? Il n'y a qu'Alain qui a le cran de tenir tête aux enfants d'Atome. Ouais. Alors là, tout est relatif, hein. C'est où ? C'est où, cette histoire ? Dans une zone non explorée. Bah écoutez, on va partir de là. On va partir de la tannerie. Et on va aller... à l'autre bout de l'île. Une fois qu'on aura fait littéralement le tour de l'île, comme on aura fait là, l'extrémité ouest. Enfin, je pense, oui, c'est ouest, parce que le nord est toujours en haut sur la carte. Des fois qu'il y a des cartes qui tournent. Je pense qu'une fois qu'on aura fait ça, on pourra commencer à s'attaquer à la quête principale. Honnêtement... Je pense que ce sera faisable. T'embête pas, Canigou. T'embête pas. On reprend le fusil d'assaut, cela dit. Ok, il y a des grosses carcasses. Wow. Frappeur super mutant. Fait chier, je suis tombé dans le trou. Allez! Ok. Ok. Cinéma d'Eden Mios. D'accord. Perdu. Primate. Qu'est-ce que c'est que ça? Merde, ne tombe pas. Je voulais te voir. Fais chier. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il avait l'air légèrement plus humain. C'est rigolo. Je croyais que c'était une espèce de... premier jet entre guillemets de... Oh, c'est bizarre. Comme s'il n'avait pas été complètement transformé. C'est rigolo. C'est rigolo. Alors, par contre, c'est hyper dense comme forêt, là, pour le coup. J'aimerais pouvoir monter... Ah, putain. Voilà. On a entendu un signe. On a trouvé un signal, apparemment, radio. On l'a reperdu. Par contre, on capte Diamond City d'ici, quoi. C'est violent, ça. Ah, ça y est, on l'a retrouvé. Vous allez prendre un snack et une délicieuse racinette au stand du cinéma. Vous écoutez l'émission de radio du cinéma en plein air d'Eden Meadows. Il a l'air tellement heureux. Pourquoi vous contentez d'écouter les films quand vous pouvez les voir en haute définition dans toute leur splendeur ? Hey. Voici le film diffusé actuellement. Une menace du Mésozoïque émerge d'un lac préhistorique pour effrayer nos femmes dans la nuit de la revanche des hommes-poissons. Ça va hurler dans les chaumières. Il est rigolo, j'aime bien. C'est un blasé, mais un blasé qui s'éclate quand même. Passion. Ça me donne des frissons, même. Le fun ne s'arrête jamais au cinéma d'Eden. Voici le film qui sera bientôt diffusé. Neptune est attaqué par l'Empire. Alors. Là, il y a une seule arme qui va être efficace de la mort qui tue. Ok, j'ai rien dit. Ok, je suis coincé. Ok. Ok.
parfait. Aïe. Ok. T'es solide toi, dis donc. Voilà. Ok, on les a tous eus. Plus qu'à récupérer tout ça. Ça a été la grosse guéguerre quand même, hein. Elle mériterait peut-être d'être améliorée, cette arme. Niveau dégâts. T'es encore vivante? Tiens, grille. Merci pour l'appareil photo. Kanigou, t'es où? J'ai peut-être perdu Kanigou dans l'histoire. Et je teste ça. Kanigou! Ah, le v'là. Le v'là, le v'là, le v'là. Bon, on va aller voir le bonhomme. Quand je vois ce que je me suis bouffé dans le nez, je mérite bien un steampack ou deux. Déverrouiller. Non, j'ai pas envie de la déverrouiller, parce que s'il est à l'intérieur et qu'il est sympa, je préfère des... Surtout que là, c'est ouvert. Putain, si c'est une machine à l'intérieur. Pomme d'Andy Boy. Distributeur. Il n'y a pas une goule à l'intérieur, ça c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Dis-moi que t'es pas mort. Dis-moi que t'es pas mort. Clé du directeur. Oh merde, c'est plus du cul ça par contre. Alors, on active les deux côtés. Ok, allons voir. Oh merde. Où est-ce qu'il est? Me dis pas que t'es mort. Ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. Il serait bien mort. Bon bah on va couper les ciné. Hop, on va le laisser reposer en paix. C'était une bande enregistrée, comme on dit. Par contre, c'est rigolo d'avoir la clé du directeur sans qu'il y ait forcément de... Kanigou a trouvé quelque chose, apparemment. Alors. Alors, alors... Oh, putain, une chaise à la con. C'est rigolo qu'on ait trouvé la clé du directeur sans qu'il y ait forcément... Voilà, c'est même pas ça. Donc, il y a bien quelque chose... Ah, si, attendez. Je sais. Je sais, je me rappelle. Derrière les écrans, il y a toujours eu quelque chose. C'est ouvert de ce côté-là. C'est bizarre tout ce bruit. Clé du directeur, voilà. Tiens dans le cul, Lulu. Alors, Radaway. Pourquoi pas. C'est assez moisi là. Oh, putain, Kanigou, tu me fous les boules. Ok, c'est extrêmement moisi ce qu'il y avait là-dedans. Tout ça pour ça.
Ok, génial. Strictement rien. Un fruit mutant. Plus qu'à aller voir de l'autre côté. J'annonce, on va utiliser un peu plus d'armes au corps à corps. Hein. Bon, bon, bon. Pourquoi pas. À moins que s'il est dans ce bâtiment-là. À moins que. Attendez. C'est que ça là-bas qui éclaire à ce point. D'accord, bizarre. Bizarre, bizarre. Ça, c'est des chiottes. Ah, attendez. Steampack ? Il y avait un Udada. Allez comprendre. Steampack. Zombie. Zombie. Même pas. Là, c'est de l'autre côté, forcément. Ah, bah non, même pas de steampack. Dommage. J'ai cru voir quelque chose, mais c'est rigolo, mais... Je crois avoir des choses partout, de toute façon, maintenant. Cette île doit me faire à moitié stresser. Oh, clé du directeur, génial. Quelques munitions, une arme moisie, rien de bien faux. J'ai encore entendu un bruit bizarre. Alors, oh. Il faut sans doute un terminal pour ouvrir ça. D'accord, un petit hack, ça fait longtemps. Pourquoi pas. Commande du coffre-fort. Désactive... Ah bah d'accord. D'accord, pourquoi pas. Bah ça a pas été très dur. Moi qui voulais un petit hack, et bah j'y ai même pas eu droit. Comme ça c'est fait. Bon. La suite. Alors... En pleine cambrousse. Oh. Bonjour. Oh putain, légendaire. Pourquoi j'ai plus d'armes? Pourquoi j'ai plus d'armes? Non. Sale bête. Pourquoi je peux plus tirer? J'ai un gros bug. Ça y est. Ennemi légendaire a muté, comment ça il a muté? Voilà. Retourne te coucher. Provocation fusil laser, d'accord. Je l'ai bourré avec le pistolet. Pas le bourrer avec ça non plus. Hop, corps à corps. Hop, un petit coup de radaway, ça va nous faire du bien aussi, je pense. Steam pack, faut que je fasse attention. Faut que je fasse extrêmement attention. Des trappeurs. Tiens, bouffe. Y a pas une animation? Voilà! Ok, bah c'était efficace comme animation. Je sais pas si j'aurais pu la voir de plus près par contre. C'est vrai que c'est difficile de cliquer sur le bouton sans donner un petit coup de molette. Il va falloir que je trouve un bouton pour mettre ça. C'était sympa, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que vous aviez? Pas de munitions? Oh non! Alors remarque, c'est pas plus mal que j'ai utilisé ce... Ah si. Voilà. Hop. Ah, ils avaient même des carreaux d'arbalète, sympa. Sympa. Oh, un steampack. Je peux récupérer sa jambe si je veux. Non, mais c'est bien là, c'est ça en fait. Hein, mais je pourrais récupérer sa jambe si je voulais. Bref. par là. Oh, j'ai perdu le signal du cinéma. Quel dommage.
Hop. Alors, la suite. C'est sympa, disons. C'est pas un... Non, c'est pas un cimetière. Appa et hameçon de Briny. D'accord. Piège que j'ai cassé. Donc il n'a pas fonctionné et qui s'est cassé. Oh, il y a des gens. Ah mais arrête. Ok, ça fait mal. Je veux juste vérifier un truc, chers amis. Je veux juste vérifier un truc. Est-ce qu'il y a moyen dans les commandes frapper, attaque puissante, grenade. Par exemple, si je le mets sur Alt. Voilà. Ok. Vas-y. T'aimes ça. Ok, je l'ai pas eu. Il va y avoir des copains à lui dans le coin. What the fuck? Bernard l'ermite? What the f... Mais il est dans un camion! Mais c'est quoi ce Bernard l'ermite? Oh nom de Dieu! Oh la belle bête! Et... Boum! Putain, il envoie des petits! Des petits, putain! Où il est le gros? T'as cru? Moi, du Bernard l'ermite, j'en bouffe tous les jours! C'est Canigou. Je viens de tronçonner Canigou, je suis désolé, Canigou. Canigou, tu vas bien? What the fuck? Ce Bernard l'ermite. C'est Thierry. Thierry l'ermite, je la referai pas, désolé. Je ne la referai pas. D'accord, c'était un truc de téléphone. What the fuck? Thierry l'ermite qui est revenu dans le jeu. Mais c'est quoi qui me... Ah d'accord. Il y en avait d'autres. Ok. Ça je cautionne le fait qu'il y en avait d'autres. Ok. Cette brume. Fond jeu chasseur. Je l'ai vu, mais alors maintenant où est-ce qu'il est? Ah le voilà. Aïe, je vais te faire de la boxe. Y'a moyen hein. Y'en a un qui me tire là dessus là. Aïe. Tiens bouffe. Aïe. Aïe. Mais arrête tes conneries. Moi aussi je peux être enragé hein. Tiens bouffe. Pas gaspiller une munition pour toi merde. A la place autant gaspiller des steampacks. Wouhou. Bon moi je saurais quoi bouffer après. 70 mètres. Pourquoi pas. Avec quoi on va chasser? Avec quoi on va chasser? Ah, c'est là. D'accord. Et donc, je fais comment? Parce que lâcher de la viande, t'es rigolo, toi, mais... Faut juste que je la lâche, littéralement. Parce que sinon, moi, je vais virer un petit bout de... Ok, rien de bien méchant.
Problème résolu. Jeter plus de viande. Tuer les fongeurs. Oh bah j'ai... Roi des fongeurs. Ah merde. Bonjour, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu toi. Tiens, ça fait mal. Rigolo hein. Il est devenu invisible ou c'est moi? Bonjour. Commence à être nombreux là par contre. Comment ça l'ennemi légendaire? Putain, il était légendaire! Nom de Dieu! Viens voir papa! Boum! Encore une! Voilà! Mais où t'as cru toi? Comment ça tuer la reine? Y'a pas de reine qui est sortie! Oh putain! Non mais, t'as cru? Putain c'est vrai, c'est pas le bon bouton. Oh nom de Dieu. Oh la belle bête. Oh la belle bête, allez. On est couillu ou on l'est pas? Ah. Voilà. Du homard au menu ce soir. Bon. Wouah, bah je prends tout, hein, honnêtement là. Wouah, la gueule. Bon, y'a pas plus gros. Genre, imaginons je fais ça. Non? Bon. Problème résolu alors. Parce que j'ai des couilles moi monsieur, hein. Je veux plus gros. Bon. Y'a pas plus gros. Y'a pas plus gros, bon bah c'est pas mal. C'est déjà pas mal, bon bah on va rentrer à Far Harbor. Hop. Et on va aller rendre la quête. Rendre la quête à Teddy. 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 Va falloir que je retrouve des patchs textures parce que là ça va pas le faire. Honnêtement Ah ça y est, ça vient. Petit à petit. Donc là ça va, au final ça va. Alors. Rangeons ça et allons voir Teddy. Ah, c'est ces fameux. Bonjour. Hey, tout le monde. Écoutez, les oui. temps sont durs. Mais ce festin est la preuve qu'on peut changer les choses. Je sais que les gens du continent nous ont causé tout un tas de problèmes. Salut. Mais cet oiseau là, il est différent. Vous avez devant vous quelqu'un qui a fait la danse du capitaine. C'est vrai. J'ai tout vu. Alors si vous voulez mon avis... Le mec convaincu. C'est plus un étranger maintenant. C'est l'un des nôtres. Un étranger. Doty. À la vôtre. J'ai tout vu. La reine... Bordel. J'ai tout vu. D'accord. La reine... Eh ben écoute Teddy. Si cette bande de bourriques vous fait pas confiance après ça... qu'ils aillent se faire foutre, hein. Je t'aime bien. Je pense qu'ils seront un peu plus bavards maintenant. Oui. Ils vont peut-être même vous demander de l'aide. Essayez Mitch au grand oh, putain. Elle a besoin d'autre chose? Vous avez besoin d'autre chose, Teddy? Vous arrêtez jamais, vous, hein? Non, ça va, j'ai besoin de rien. D'accord. Prenez ça. Et si le cœur vous en dit, faites connaissance avec les autres. C'est votre jour de gloire après tout. Par contre, je m'en ai de la bouffe. Ah non, le chapeau du capitaine. Oh, sympa. Cool. Cool, cool, cool. Merci. Un petit peu d'XP supplémentaire, ça fait toujours du bien en plus. Sans or, bon. Vous ferez pas de vieux os ici. Bon. À la vôtre. Bah bon appétit tout le monde hein. Bon appétit. Ne regardez jamais un trappeur dans les yeux. Changement de marée. Ah, d'accord. Provision à l'avant, toubib à l'arrière. Vous voilà au pêcheur. Provision à l'avant, toubib à l'arrière. D'accord, oui effectivement. Bienvenue au pêcheur. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Ok. Brooks. Bah écoute, bonjour. Comment un pêcheur peut vous aider aujourd'hui? Si t'as des steampacks, ça m'intéresse. Voyons ce que vous avez. Avec joie. J'aurais peut-être dû enlever mon masque, remarque. D'accord. Il y a un paquet de petites choses sympas.
Alors déjà, ça, c'est une nécessité. Ça, c'est une nécessité aussi. Du vim. Qu'est-ce que ça? D'accord. Qu'est-ce qu'on a, nous, qu'on pourrait lui revendre? Ça, j'aimerais le garder. Ça, je peux le donner, le donner. Le donner, le donner, le donner. Le crossbow, je veux absolument la garder. On en a combien? 16, c'est pas beaucoup. Ok. Voilà. Buff out, tiens, prends-le. Buff jet, prends-le. Le jet, tu peux le prendre. Est-ce que t'as des munitions? Bric-à-brac. Munitions, bolt, 3. Parfait. Ok. Harpon, parfait. Pourquoi pas. Bon. Ok, bon, on va partir là-dessus. Parfait, merci pour tes sous. Ok. Ne laissez pas l'île vous prendre par surprise. Eh ben écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode en tout cas. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom dans votre lien en arrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire Gamespot.com qui m'a gracieusement fait le jeu et je les en remercie. Quant à moi, je vous remercie à nouveau d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour les bientôt 5K abonnés, c'est un grand plaisir de faire ces vidéos pour vous et avec vous. Un grand merci à vous. C'était Marcus Menus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yoop.